Après la ligne H, Christian Dior, remontant l'alphabet, a tracé la lettre A, les robes allongent et amincissent le but.
quelques instants.
Thank you.
Tu sais pourquoi on fête le bicentenaire? Parce qu'il a 200 ans. Ils étaient encore au Moyen-Âge. Parce que 200 ans, j'étais pas née. Ma maman et moi, on n'était pas nés. C'était à ce moment-là, c'était bien lui 9, c'est ça? Donc 7 et 2, 9. À Tahiti? Je demande si il y a 200 ans avant nous, en 1789, il restait encore lui 9 à Tahiti. C'était mort en Tahiti. Moi, j'aimerais pas qu'il y ait une révolution. Moi, j'ai un calendrier. Il y a des images derrière. Il y a des femmes avec des vieilles robes, avec des fourches, et puis c'est un peu bizarre. C'est marrant parce qu'elles avaient un canon et puis elles se mélangeaient. Alors moi, ça m'a fait un peu rigoler. Ça m'a fait rigoler la tête des femmes. Les gens s'étaient réunis contre le roi et ils avaient dit « Nous voulons être libres et en égalité. Nous voulons avoir des numéros et ce sont des règles. » Et ça s'appelle un droit. C'est un droit? Ah oui, ce sont des lois. Mais loi, c'est la femelle du canard ou c'est les lois? Alors les lois, c'est quelque chose à respecter. Ce soir, je devrais mettre le couvert. Tu devras mettre le couvert, c'est à respecter. Tu vas mettre le couvert, c'est la règle. C'est une loi. Loi, c'est une consigne. Par exemple, liberté, c'est une consigne. Il faut la respecter, la liberté. À la télé, ils ont dit qu'il y avait le droit aussi des enfants. Ne pas être souvent trop puni, non? Faire du travail à la maison pour aider son papa et sa maman. Être heureux aussi. Ah, je sais. On a le droit aussi d'aller voir le maire, le jury. Oui, un juge. Un juge des enfants. Moi, j'ai vu dans un journal qu'il y avait la déclaration des droits des enfants. Je l'ai lu un petit peu, mais j'ai pas très bien compris parce qu'il y avait des mots difficiles. Est-ce que c'est vraiment fait pour les enfants? Moi, j'aimerais qu'il y ait des choses qui changent dans le monde. Je sais. Mais j'aimerais qu'ils changent dans le monde, que d'abord ma chambre soit plus grande, puis qu'il y a plus de Noël d'abord. Qu'il y a des robots, que je puisse rencontrer les petits-enfants qui vivent de l'autre côté de la Terre. Que le soleil moins brûle et puis qu'il fasse tout le temps beau, mais une chaleur avec des nuages blancs, pas trop chaud. Il fait beau avec du vent doux qui me caresse la joue. Avec plein d'autres choses, des voitures volantes, des petits avions qui vont très vite, des trains très vite. Il y a un nouveau système de cartes postales. Les cartes postales, c'est que je voudrais que par exemple, on mette pas de timbre, on marque que l'adresse, puis à l'intérieur, on a le droit d'envoyer des petits jeux, des petits trucs, des petites boîtes de cadeaux, il y a le droit, ça? J'aimerais aussi une chose qui me plairait énormément, vraiment, c'est qu'on soit magique. Être magique, c'est important parce que d'abord, je pourrais avoir une baguette magique, me faire apparaître des Barbies, toutes sortes de trucs comme ça. Puis, on pourrait utiliser les systèmes de téléphone par la magie aussi. Tu fais apparaître un téléphone, quelque chose qui manque, un ordinateur,
un truc comme ça. Par exemple, avoir la force de voler, se transformer, d'être belle, d'être bon, d'avoir tous le même caractère, d'avoir tous les mêmes jeux, les mêmes coiffures, les mêmes trucs. Tout partout ensemble, en égalité, toute la Terre. C'est pas mal, hein? Je voudrais aussi qu'on ne soit jamais jeune. Il faudrait une fée qui vienne changer le monde. Elle sera avec une longue robe, puis là, pour couvrir ses seins, elle aura un petit porte-seins. à dentelle, et elle recouvrait avec une robe bleue, violette et rose. Ça lui va très bien. Et puis avec du fard à bleu paupières, du vert cils, et puis vraiment elle serait belle. Je sais pas si c'est vraiment possible. Alors, je crois que j'ai vraiment décidé. Je crois que c'est pas possible qu'une fée vienne pour changer le monde. Et ça, c'est vraiment embêtant. Ça, c'est embêtant parce que moi, ça m'aurait plu. Vraiment. Si ce monde-là était né quand je serais née, moi, je serais peut-être heureuse. J'aurais bien aimé avoir une jumelle sœur. Vraiment. Ce serait jumelle. Sauf qu'elle n'aurait pas la même tête que moi, ni les mêmes habits. C'est possible d'avoir deux bébés séparés, pas pareil, puis deux filles. Ça, c'est formidable, ça m'aurait vraiment plu, hein. Alors, vraiment, dans la vie, il y a des choses que j'aimerais beaucoup changer. Que mon papa et soit encore ensemble avec ma maman. De mal dans le monde, c'est que il y a les pauvres, ils peuvent pas manger comme nous, et puis aussi ils sont pas très riches, qu'on soit tous à égalité. Vraiment, il reste une grande partie à changer, et je suis sûre que ça sera toute la famille ensemble, tout le monde, toute la moitié de la Terre qui le fera. Alors par exemple, un meuble, tu le prends, tu le partages en deux avec un gros scie. Et après, t'emportes l'autre moitié dans l'autre pays. Il tire le tiroir, il a une moitié de poulet. La moitié de poulet, tu coupes le poulet en deux, et puis en gros, t'envoies une moitié de poulet. C'est comme si tu coupais la terre en deux. Tu coupes tout le monde. Ça veut dire que vous allez me couper en deux? Dans toute une face. J'ai vu au journal de 20h, et il y a des enfants, et ils sont complètement maigres. Comme des pêches, comme des porcs. Comme des poireaux. Moi, je sais pas trop comment dire, des poires. Ils mangent que du pain grillé. Ils boivent de l'eau un petit peu, et du lait. On montre un pays où ils sont complètement nus. Ils ont rien. Et puis ils sont mous comme des bananes. C'est injuste. Pas qu'ils soient comme moi. Moi je mange, j'ai une chambre, j'ai un lit, je vis encore plus heureuse qu'eux. Il y a des gens qui vivent encore plus heureux que moi. On sera jamais à égalité, ça c'est sûr. C'est ça qu'on veut.
que je trouve de bien, c'est comment ça a changé. Ça veut dire comment ils ont fait, comment... Je les remercie pour avoir changé un peu le monde. Je les remercie de faire ça.
Yeah.
Thank you.